L'info du Grand Lille en continu, Céline Huret. Bonsoir à tous, il est 18h, un point tout de suite sur votre trafic. Comme vous pouvez le voir sur la carte, il est perturbé un peu partout sur la métropole lilloise, notamment le périphérique sud qui est toujours encombré sur l'A1 dans les deux sens de circulation, l'A27 vers Bruxelles, l'A22 subit également des encombrements. Le centre-ville de Roubaix, à l'entrée de Roubaix en venant des grands boulevards, c'est encombré. Un trafic perturbant cette fin de journée. On refera un point dans nos prochaines éditions. Et du côté du ciel, un temps nuageux dans la région aujourd'hui, mais des températures douces. 12 degrés ce mardi, demain, des éclaircies prévues, le retour du soleil. On va perdre tout de même quelques petits degrés, deux petits degrés. Un point plus complet sur votre météo à la fin de notre journal. Information de dernière minute, l'entraîneur du LOSC, Frédéric Antonetti, quitte l'équipe lilloise en pleine tourmente. Hier, chez nos confrères de France Bleu Nord, le président Michel Sédoux a déclaré que ses joueurs jouaient comme des chèvres. Patrick Colloff va assurer l'intérim. On vous en parlait il y a quelques semaines, le cas de Laurence Delzen, 42 ans, salarié à la Redoute depuis 19 ans. Elle a finalement été licenciée le 14 novembre dernier. Rappel en quelques mots de sa situation, Laurence a refusé dans des nouveaux horaires de travail. La jeune femme était jusqu'ici à l'usine de 9h30 à 16h30 en tant que préparatrice de commandes. Mais récemment, la Redoute lui a imposé une nouvelle plage horaire, 14h, 21h20. Des horaires que Laurence a dû refuser car elle doit s'occuper de ses deux enfants. Elle affirme avoir essayer de trouver des solutions face à ce dilemme, notamment changer de poste, de mission, mais selon elle, la direction ne veut rien entendre. Le 14 novembre dernier, la sentence est tombée, elle est licenciée. Ce licenciement, elle est bien décidée à le contester, épaulée par la CGT qui suit l'affaire depuis le début. La CGT dénonce d'ailleurs des pressions sur l'ensemble des salariés de l'entreprise La Redoute et estime que la direction utilise Laurence comme un exemple. Idil Gunay a rencontré cette mère de famille. Mon point de vue, c'est un peu pour dire malheureusement aux autres, taisez-vous, restez tranquille parce qu'il risque de vous arriver la même chose et vous allez être licencié. Et en cette période de fête, c'est pas sympa quand même, je trouve. Surtout quand on a des enfants. Je me trouve très... c'est très lourd pour moi la situation au jour d'aujourd'hui. C'est violent, mes enfants ont du mal aussi à digérer ce qui se passe. Elles se sentent responsables. Limite coupable, j'ai des pleurs à la maison dû à cette situation, alors que les responsables et les coupables, c'est certainement pas mes enfants, c'est la direction, c'est la Redoute qui veut pas trouver de solution pour mon cas. La Seconde Guerre mondiale, la déportation des Juifs, une période sombre racontée dans les livres d'histoire aux jeunes, mais aucun manuel ne vaut le témoignage d'un survivant. Hier au lycée Quenouf de Villeneuve-d'Ascq, deux classes de lycée ont eu le privilège de rencontrer Jacques Sorel, ancien déporté du camp de Bergen-Belsen en Allemagne. Pendant 2 heures, l'homme de 80 ans a raconté ce qu'il a vécu. Il a été déporté à l'âge de 11 ans. Il est l'un des 60 000 détenus à avoir survécu. 13 000 cadavres ont été retrouvés dans ce camp à la fin de la guerre. Les faits remontent, mais la mémoire de Jacques Sorel est intacte. Je vous propose de l'écouter au micro de Vincent Vieillard. Moi, j'ai pas envie de donner de leçons. Voilà, en m'écoutant, c'est chacun va tirer ce qu'il souhaite ou ce qu'il pense avoir découvert à travers ce que je dis. Mais de leçons, je ne suis pas habilité pour en donner, pas du tout. L'importance de la vie, c'est la leçon première, l'engagement de mon père pour le respect du pays qui l'a accueilli, toutes ces choses-là, l'amour tout court, l'amour de la famille. Voilà, c'est les leçons. Et surtout le côté incroyablement précieux de la vie, quand je dis à mes jeunes que je rencontre un seul billet pour un seul voyage, retenez bien ça. Et les élèves du lycée se sont également exprimés au micro de notre journaliste. C'était vraiment enrichissant, on a appris beaucoup de choses et puis on a beau lire des choses ou quoi, l'entendre, ça touche beaucoup plus. Tant qu'on a la vie, en fait, vaut mieux profiter du moment présent et être fier déjà de ce qu'on a avant de chercher ce qu'on voudrait avoir. Tu nous as donné une bonne leçon de vie, qu'il fallait profiter de la vie parce que ça tenait qu'à un fil. L'important, c'est qu'il faut vivre. Il y a des personnes qui ont vécu le pire et nous on a de la chance, même moi j'ai de la chance d'être que en fauteuil et de pas avoir vécu ces choses-là.
Et dans ce journal, on vous parle également d'une innovation qui vaut le détour. Le caddie du futur débarque chez Auchan Anglo. Il s'agit d'un chariot robotisé qui suit à la trace le client et fait ses courses à sa place. Ce robot porte un petit nom, il s'appelle Wigo. Wigo a une autonomie de 4 heures. Il identifie le client au départ grâce à une reconnaissance faciale et ensuite il l'accompagne. Il accompagne l'acheteur partout dans le magasin. Ce robot est en test depuis lundi et pendant un mois auprès des personnes à mobilité réduite. Il n'est pas donné puisque chaque unité coûte 10 000 euros au magasin. Plus d'explications à ce sujet au micro de Vincent Vieillard. On écoute. Tout le monde est déjà un peu curieux, voilà, pour essayer tout ce qui est technologique. Et en fait, quand on voit quelque chose qui nous suit pendant partout le magasin, voilà, ça attire l'attention des clients et c'est quelque chose qu'ils vont vraiment essayer. Et ils demandent souvent comment est-ce que ça fonctionne. Ça fonctionne, mais je trouve qu'il faut marcher trop lentement. Bon, j'ai testé, c'est tout. D'accord. Maintenant, je ne sais pas si j'ai un peu l'utilité habituelle. D'habitude, c'est mon mari qui porte le caddie, donc il pousse le caddie, donc c'est pas où je porte jamais de sac. Hier soir, l'équipe du film À fond était au Kinépolis de l'Homme, à l'affiche José Garcia, Caroline Vigneault ou encore Vincent de Sagnas. Ce nouveau film réalisé par Nicolas Benamou mêle action, comédie et défis techniques. À fond raconte l'histoire d'une famille qui embarque dans un monospace flambant neuf tôt le matin pour éviter les embouteillages des vacances d'été. Mais très vite, Tom, le père de famille interprété par José Garcia, se rend compte qu'il ne maîtrise plus le véhicule et voilà donc embarqué à bord d'une voiture folle. Six passagers sont au bord de la crise de nerfs. Ils ne sont pas au bout de leur surprise puisque durant leur périple, ils vont faire face à un embouteillage monstre de vacances. Clotilde Leguevac était au Kinépolis hier soir et a rencontré José Garcia. C'est redéfinir complètement une manière de jouer, quoi. Je vous avouerai qu'il y a un avant et un après. Mais je sais que maintenant, j'ai une petite expérience. Si quelqu'un rejoue dans des conditions comme ça, mais c'est très original, très original. Malheureusement, ça ne se gère pas. Ça se découvre et on essaie de s'adapter à la situation. Mais c'est le genre de film on peut absolument pas préparer ni avoir le métier. Parce que c'est tellement une espèce d'énorme grand philharmonique. D'hommes, de matériel, que c'est juste impressionnant. Il faut juste redéfinir complètement les lois du jeu. Le film À fond est donc dans les salles depuis hier. C'est la fin de notre édition. Tout de suite, un point sur votre météo avec Clotilde Leguevac.